Eh bien salut tout le monde, c'est Abiz et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je suis avec mon ami Necneo qui est devant moi, qui m'a chaleureusement prêté quelques armes. Donc je vais vous présenter un petit peu mon arsenal que j'ai, vu qu'on a appris récemment que tout va être délai le 30 novembre, donc à la fin de l'alpha et je pense à la sortie du jeu. Donc au final je pense qu'il n'y aura pas de bêta tout simplement. Donc voilà, donc je vais appuyer sur I. Donc on peut déjà voir que j'ai un Mother SRG désert, donc il est plutôt rare, donc c'est pas comme tous les Mother SP66. Donc celui-là est vraiment rare. Ensuite le petit couteau tactique, bon celui-là je l'ai acheté en farmant un petit peu le zombie. Le custom guérilla, donc il est un petit peu une cotte de maille comme vous pouvez le voir ici. Le chapeau de cowboy, voilà pour faire un petit peu style. Ensuite j'ai plusieurs armes d'assaut comme l'AK, la M16, l'AKM, la M4, la M4 semi, donc ça c'est des armes plutôt courantes. Voilà. Ensuite il y a les pistolets, donc les pistolets il y a le 5.7, le B92, le 93R et le 6 Hour, des pompes comme la Saiga et le Mossberg. Et en sniper, bah sinon j'ai un M107, je n'ai plus d'AWAP, non j'en ai eu un seul et Necneo n'en avait plus non plus, donc il n'a pas pu en passer. Puis j'ai oublié bien sûr le A12. Et il y a d'autres petits gadgets comme le Forward Grip et le Cobra, donc ça c'est une poignée et le Cobra. Dire que moi j'ai trouvé une fois un viseur laser, c'est enfin un viseur, oui c'est ça, un viseur laser, c'est hyper bien et c'est surtout très cher, 75 000 je vous rappelle, c'est vraiment hyper cher. J'ai vraiment trouvé ça par hasard en tuant quelqu'un, mais au bout d'un moment du coup bah je suis mort et je l'ai perdu malheureusement. Donc je remercie bien Necneo qui est en face de moi là, qui m'a prêté quelques armes, même pratiquement toutes. Car moi, quand j'ai su que ça allait être reset, j'y suis vraiment allé à la barbare, hein, je vous avouerai. Mais au final, c'est en vraiment, maintenant, c'est en partant de rien qu'on arrive à vraiment ce stuff. Et c'est vraiment ça que je vous conseille. C'est vraiment partez à l'aventure avec rien. Vous trouverez toujours du stuff dans les magasins, etc. Donc voilà, là, je suis à la safe zone du sud, comme vous pouvez le voir ici. Et puis voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous montrer un petit peu mon arsenal, mes armes, etc. Donc plus ou moins rares. Notamment, pardon, le Mother Desert. Certes, il est moins rare que le SVD Dragunov. D'ailleurs, tout à l'heure, ça me fait penser parce que j'ai vu quelqu'un avec un SVD Dragunov et des lunettes nocturnes dans la safe zone. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Donc, voilà, j'ai bien sûr pas toutes les armes. Bien sûr, il me manque la Scarache ou encore le 6 Hour 556. Mais bon, je trouve que j'ai quand même un bel arsenal. Ça, bien sûr, j'en ai en double. Bien sûr, hein. Necneo aussi. Donc écoutez, je voulais juste vous faire une petite vidéo comme ça pour vous présenter mon petit inventaire. Et je vous dis ciao à la prochaine. Abonnez-vous pour beaucoup plus de vidéos Warz sur ma chaîne. Je remercie encore une fois Necneo parce qu'en plus il va beaucoup m'aider dans le futur, je sens. Bref, et donc je vous dis ciao à la prochaine. Portez-vous bien, bye bye. Et à la prochaine, à plus.